Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je vais équiper un caillou. Méfie-toi, mon pote. S'il veut se la jouer comme ça, d'accord? Alors attendez, c'est un méchant, donc il est pas avec moi. Vite, bouclier. Ah, c'est la tête chercheuse, son truc. Oh, attends, il va aspirer la poubelle. Ouf ça, connard. Ah oui, il faut l'attirer ici. Faut le mettre ici. Vas-y, ça fait quoi? Ah, y'a un ange, d'accord. Vas-y, fais ton aspiration, là. J'ai une poubelle pleine. Il fait quoi, ce con? Ah, voilà. Ah, faut le mettre au balançoir. Vas-y, il va se prendre les balançoires dans la tronche. Voilà. Attends, mais faut le toucher combien de fois aussi? Vas-y, prends-toi le tourniquet dans les dents. Ah, c'est bon. Et c'est qui, ça? Tu as réussi! C'est toi la fille disparue qu'on voit sur les briques de lait? Ah ouais, je m'appelle Verity. Que t'est-il arrivé? Je ne sais pas trop, mais c'est forcément le coup de cette personne louche avec sa mallette. Où est-ce qu'elle est passée? Elle s'est barrée, cette conne. Comment on sort d'ici, nous? Y'a un chemin par là? Ah, ici. Ah, bah oui. Y'a un bus là. Y'a un. What? C'est gentil ça ou? Salut? Vous venez me chercher ou? Non, non, ça a pas l'air gentil ça. Oh putain! Vite, une porte! Oh merde, c'est fermé! Par là, y'a quoi? Y'a ça. Je peux entrer ici? Ah ouais. Mince, c'est un sacré trou. Je vais devoir trouver un autre accès au labo. Wanted. Ah, c'est le mec. Ok. Y'a quoi ici? Oh! D'accord, attendez. Par ici! Ah, y'a l'espèce de fantôme de l'enfant là. Ok, je te suis. On dirait que tu cherches à atteindre l'autre bout du campus. Tu as une clé ou un truc du genre? Encore mieux que ça, mais il va d'abord falloir m'aider. J'ai tellement hâte de savoir qui m'a envoyé une carte pour la Saint-Valentin. Il y a une carte dans mon sac violet. Fouille les bureaux et trouve celle qui lui correspond. Ok. Non, c'est pas là. Non, ça correspond pas. Hein. Ils dessinent tous des cœurs dans cette école. D'accord. Ah bah c'est celui-là. Attendez, je vais le revoir. Oui, j'ai trouvé. J et T. JP, sérieusement? Il passe son temps à se moquer de moi. Il y a une porte temporelle qui s'est ouverte là. Bon, maintenant que je sais, il faudra lui dire ce que je pense de lui. Par ici. Ok, j'arrive. Attends, laisse-moi 2 secondes. Je vais tout fouiller ici. Au cas où on trouve un slip qui traîne. Ça peut servir avec tous les mecs qui se baladent à poil ici. Merci de m'avoir aidé à trouver un amoureux. Mais j'ai d'autres choses à te demander. J'ai préparé une carte de la Saint-Valentin. Elle est restée dans mon casier. Tu pourrais la chercher et la poser sur le bureau de JP? On a vraiment que ça à foutre. Hein. Ah, c'est dans le couloir. Putain, je suis con. Je pensais que c'était le casier du bureau, moi. Alors, le couloir. Où est son casier? J'entends des crapauds. Ah, ça mange du fromage, ça? Non. Nope. C'est ça son casier? Ah oui, d'accord. Ok, je l'ai. Du coup, je retourne dans la classe. Je vais au bureau de JP, juste ici. Maintenant, JP saura que je l'aime moi aussi. Par ici. Ok, on y va. Tu peux pousser mon bureau vers celui de JP? Non, mais c'est quoi ce bordel? Comme ça, on pourra échanger des regards toute l'éternité. Et essaie de ranger un peu la salle de classe pour que le prof ne se doute de rien. Super, super. Ah, c'est écrit sur les bureaux. One eternity later. C'est parfait, merci Jack. Bon, alors ça, c'est bon. On prend le TPI. Ça, mais nous. Putain, mais il y a combien de classes? C'est quoi ce délire en fait là? Ah, y'a un fantôme. Ah d'accord. Ok, c'est bon, j'ai compris. C'est fermé ici. Oula. Ah oui, ça one shot les fantômes ici, d'accord. Bon, faut que je fasse gaffe. Y'a que des connards. Ok, on est sur le toit. Tous les zombies dehors. Ok, y'a de l'orage et tout qui tombe. Et ça, c'est des chemins, ok. Ah, interrupteur. Psst. Quoi? Y'a encore un mec à poil. Je bronzais sur le toit et les choses ont dégénéré. Un rat s'est sauvé avec mon mankini. Je commence à avoir froid. C'est quoi un mankini? Bah en fait j'ai pas envie de me perdre sur le toit, allez hop, tant pis pour son slip. Alors on est toujours dans l'école. Et oui c'est ici que je dois venir pour récupérer ce qu'il faut pour fabriquer l'alcool là. Oh y'a une meuf aveugle. Ah non elle est pas aveugle. Alors c'est toi la cause de tous ces problèmes? Mais elle veut quoi la vieux? Non je... Pas besoin de te justifier, je sais bien que ce n'est pas de ta faute. Comment ça hein? Tu vas comprendre très bientôt. D'abord j'ai besoin de ton aide. Je n'ai plus d'assistance sous la main alors que je mène une expérience importantissime qui pourrait tous nous sauver. Quel genre d'expérience? Je t'expliquerai plus tard, chaque minute compte. Elle m'a donné une clé, ma machine est tombée en panne. Je peux la réparer, mais tu devras me trouver les pièces écrite sur cette liste. Voilà une clé du lycée au cas où tu tombes sur les portes fermées. Ok, merci mamie. Alors j'ai une clé pour les portes du lycée qui étaient fermées. Nickel. Trouver une batterie, trouver un tuyau de cuivre et trouver de la colle. Ok. Oh merde, c'est quoi ce chemin? Oh, il y a des casiers là. Ça va être ici les objets à récupérer. Oh, les fioles. Ok, top cool. Et ici. Oh le bordel. Tenez, c'est l'heure de manger. Manzai. Ah, la batterie. Ouais, du coup, comme je peux ouvrir les portes fermées, je dois pouvoir ouvrir celle-là là. Et donc ici, il y a quoi? Les toilettes. Hors de question de toucher ça à main nue. Mais. Il y avait un fantôme dans la cuvette des toilettes. C'est quoi qui jette? Non, c'est des merdes. Hors de question de toucher ça à main nue. Ah oui, il y a un fantôme qui nous jette des merdes. Vas-y, on se casse. Et celle-là en bas, elle était fermée. Et maintenant, est-ce que je peux l'ouvrir? Yes. Oh, il y a un mec en haut là. De la colle. C'est l'heure de jouer. Ah, c'est le fantôme de tout à l'heure. Oula, qu'est-ce qu'il faut faire là? Je peux pas sortir de la zone. Ok. T'es pas mauvais, voyons comment tu t'en sors si je corse un peu les choses. C'est-à-dire... Faut esquiver les trucs. C'était marrant. Allez, finissons ce petit jeu. Calme-toi, fantôme. T'es, il me l'a mis dans la tronche. Oh, oh. Hop là. C'est tout? Bon, ça m'ennuie, je me barre. Vas-y, casse-toi. Alors la colle, attends, elle est là. C'est bon, on a la colle. Y'a rien d'autre à voler ici. D'ailleurs, il me reste quoi à trouver? Un tuyau de cuivre. Par contre, faut que je fasse gaffe, y'a des fantômes là. C'est parti. Oula, il fait quoi lui? Oh, y'a un mec là. Tiens, viens là. Ouais, j'ai eu un petit succès. Attends, déjà lui, ça mange des œufs, ça. Eh, va manger l'œuf. Il veut pas de mon œuf. Attends, la pomme. Ah, c'est bon, il la mange. Merci, grâce à toi, j'ai guéri. Ah, il me parle lui. Ah, mais c'est lui qui avait le tuyau de cuivre. D'accord. Bon, du coup, maintenant, je dois tout ramener. Oh, putain. Merde. Ok, je suis cette route. Je suis cette route. C'est bon, j'ai tout ramené. Le succès. Chouchou de prof. Tu as tout trouvé? Bah oui. C'est quoi ce machin? Bien, ça devrait fonctionner.
J'ai passé mon temps à déchirer le tissu de notre monde et j'ai fini par découvrir un code sous-jacent. Notre réalité semble avoir été conçue pour le plaisir d'être d'une autre dimension en quête d'un défi. Et quelle est ma place là-dedans? Ma plus grande crainte, c'est que l'un de nous soit contrôlé par un joueur. Cela te concerne, Jack. Mais j'ai l'impression d'être moi. Pourtant, rien de tout ça n'est vrai. On se connaît depuis des années et par pitié, pas ça. Dans l'état actuel des choses, tous ceux qui boivent de l'eau courante sont infectés. Plus le virus se répand, plus notre monde est chamboulé. Tout s'effondrera bientôt, nous serons enfin libérés de ce labyrinthe où nous sommes tous cobayes. What? C'est quoi ce délire? Mademoiselle Jenkins a vraiment perdu la boule. Ouais, tu m'étonnes. La vie ne peut pas être qu'un jeu. Si tu es là, fais-moi marcher. Ok, regarde, je te fais marcher. Sans doute une coïncidence. Fais-moi sauter. Je te fais sauter? Aucun problème. Ok, j'avoue, c'était bizarre. Fais-moi esquiver. Aucun problème. Regarde un peu cette souplesse. Mais ce n'est pas possible. J'espère que ça t'a plu de m'utiliser. C'est la fin du jeu ou quoi? Je préfère être supprimé plutôt que d'exister dans ce néant à tout jamais. Super, top cool. Mais faut que je fasse quoi ici, moi? Ah, y a un truc là quand j'approche. Ah ouais. Je vais prendre le parapluie. Ah oui, il y a un chemin. Ouais, mais après, il n'y a plus de chemin. Ah si, là. Oh, il y a un truc de TP, là, non? C'est quoi ces trucs chelous, là? Ah, d'accord. Ok, je vois, c'est des portails. Je jette un caillou dans le portail, là. Voilà. Et ça a fait quoi? Ah, ça... Ok, une plateforme. Il y a un autre TP, là. Ok, je le prends. Oula. Oula, je vais où, là? Ça doit être par là. Super, je vais peut-être pas prendre le parapluie, hein. Là, je vais reprendre le parapluie. Oh, je suis un fantôme dans ma chambre. C'est le tout début du jeu, ça, quand on commence. Attends, je peux me balader? Ouais, je peux passer à travers les murs et tout. Oh, il est là. Il kidnappe le petit frère. Et le daron qui dort encore. Très très chelou. C'est qui, elle? Ah, c'est Verity. Mademoiselle Jenkins a kidnappé le petit frangin. Quelle terrible nouvelle. Elle est prête à tout pour nous détruire. Mademoiselle Jenkins doit s'être servie de ce type à la mallette pour nous empêcher de l'arrêter. Il faut trouver les autres gamins et les amener avec nous. Ok, vas-y, viens avec moi, on va trouver les autres. Je connais pas le chemin, meuf, hein. C'est quoi ça? Regarde, un autre portail. Plus on restera ici, moins on aura de chance de survivre. Ok, on y va. Banzai! What? Je suis où? Je suis sur la plage. Bonjour, bonjour. Je dois trouver un moyen de traverser la ville pour retrouver Bob. D'accord. Oh, il y a une borne d'incendie, là, qui balance du poison carrément. Attends, je peux pas la couper? Ah bah si. Oula, mais on est où, là? C'est quoi, ça? Mais c'est moi! Et sur la plage, y'a rien de spécial, ici? Sur les quais? Ah bah si, y'a un mec à sauver, là. Je peux entrer, ici? Ah yes. Alors, on a quoi à voler, ici? La caisse est verrouillée. Ah bah super. J'ai ramassé du poisson. Ok. Et ici, je vais entrer, là. Alors, on a une chambre avec... Ah, c'est quoi, ça, là? Je sais pas ce que c'est. Y'a rien sous le lit? Non. Et dans la salle de bain? Y'a que dalle. Ah oui, c'est un hôtel en fait. C'est un motel. Oh! M'en fous. Alors y'a quoi d'autre par là? Une voiture. Oh! C'est quoi ces trucs? Ok, on se casse. Ah merde! Il est écrit sur le panneau de l'axe. Merde, je peux pas ouvrir. Oh putain. Oh putain, laisse tomber. Eh psst, y'a un mec là. Attends, je reste sur la poubelle, ça passe. Je me baignais tout nu quand un gang de crabes m'a volé mon maillot de bain. Bah oui, bien sûr. Je vais mettre de l'alcool sur du poisson. Il y en a un qui est soigné. Eh, mais en fait, ils se contaminent entre eux direct. Ouais, je peux rien faire, en fait, sur le chat. Comment on se casse d'ici? Ça doit être par le nord. Ah oui, il y avait une porte là-bas, mais il y avait un message, j'ai pas eu le temps de lire à cause des chats. Il est écrit sur le panneau, l'accès au parc à bateau motel miteux nécessite une clé pour le pont. Ok. Ah, mais sur les bouts de papier que j'ai trouvé, attendez. Ah, c'est ça, un bout de code déchiré. Il me manque ce côté-là. Bon, bah, ça doit être dans l'une des chambres. Il y a un truc sur le toit, là. Je vais aller voir. Eh, merde. Je suis tombé dans l'eau.